Mathieu, tu rentres. Didier. 1, 2, 3, 4. Monte plus le chemin, plus vite. Didier, vas-y. Tu peux prendre ton temps. Vas-y. Je veux pas finir mes jours à Tombouctou. La peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé. Frippé comme une triplette de Belleville. Position. Je veux pas finir ma vie à Tombouctou. Danser tout raide avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu. Balancer comme une triplette de Belleville. C'était assis avec le musicien Benoît Charret. Il avait pris sa guitare et puis on avait commencé à fredonner quelque chose, un petit thème. On était un petit peu parti sur la chanson de Madame Souza, c'est-à-dire le thème espagnol « Oh, ma casa portugais ». Et on a ta 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 ta. Et on a commencé à lancer quelque chose comme ça. On a récupéré les lyriques des triplettes. Et puis donc là, en fonction du nombre de pieds, j'ai commencé à écrire des paroles. Et je ne voulais pas faire quelque chose qui soit trop... Trop gnangnan, je voulais pas que ce soit quelque chose qui soit... Je voulais que ce soit... Finalement, le résultat, c'est complètement surréaliste, ça parle de n'importe quoi, finalement. Et c'est le chanteur qui dit « Je voudrais être une triplette de Belleville ». C'est venu comme ça, et j'ai eu vachement de plaisir à faire ça, finalement. J'aime beaucoup ça. Depuis le début du film, on avait l'intention qu'un chanteur connu fasse la chanson du générique de fin. Les gens qui venaient travailler sur le film en France connaissaient, ils avaient des disques de M, et j'ai écouté ça, et j'ai trouvé ça très très bien. Le film n'était pas encore terminé quand je l'ai rencontré à Paris. Et puis c'est quelqu'un de tellement simple et tellement adorable que ça s'est fait naturellement.